Bonsoir les amis. Ce soir, je vais m'exprimer en français, donc vous m'excusez bien. Cette vidéo est adressée à mes amis français et francophones, parce que je constate qu'ils me suivent souvent sur Facebook, mais apparemment, ils ne comprennent pas grand-chose sur ce qu'on dit ou ce qu'on écrit. Donc on essaie un petit peu d'expliquer pour le mettre un peu dans le contexte, bien que je m'exprime souvent en français. Voilà, je réponds en particulier à une amie qui m'a posé plutôt une question sur la situation au Maroc. Étant donné aujourd'hui que j'ai vu une photo qui m'a vraiment choqué, des exilés, plutôt les réfugiés syriens. J'ai vu un papa avec ses deux enfants sur les bras. J'étais dans l'eau. Donc j'étais vraiment particulièrement choqué par cette image. Alors, il est en lien avec notre drame à tous, nous les émigrés, ou plutôt les exilés, malgré eux. Nous sommes ici en Europe, un peu partout. Il y en a beaucoup, beaucoup parmi vous qui ne savent pas pourquoi on est là. Donc, moi en particulier, je sais très bien de quoi je parle, j'en connais bien d'autres. Je ne suis pas venu ici de mon plein gré. Donc, j'étais poussé avec mes enfants. Quand j'ai vu ce père, ce papa avec des enfants, j'étais à la mer comme ça, l'image m'a renvoyé à moi-même dans un certain temps. Et plus exactement en 2005, quand je suis venu avec mes deux enfants, 5 et 7 ans, ils étaient très asthmatiques. Nous étions jetés sur les routes, les aéroports, on cherchait un abri. Et pourquoi? Il faut savoir pourquoi les gens viennent chez vous. Ils ne viennent pas ici parce que, vous savez, il fait beau chez vous ou je ne sais quoi. Il y en a beaucoup qui continuent de dire parmi vous qui viennent ici manger notre pain, ou je ne sais pas, vous connaissez le reste de la chanson. Mais moi je dis toujours, les gens viennent chez vous parce qu'ils sont malheureux chez eux, et même persécutés. Par exemple, on prend notre cas, les Marocains. Nous avons un tyran, vous le connaissez très bien, c'est votre ami, depuis la nuit du temps. Et vous entamez des belles, je ne sais pas si c'est des belles, ou en tout cas des bonnes relations d'intérêt des États. Mais nous, on est obligés, tant que cette monarchie tyrannique est là, il y aura toujours des gens qui vont venir, et d'autres. Donc il faut comprendre qu'à un moment donné, il faut chercher, c'est pas moi qui va vous apprendre, enfin, je m'adresse à les amis, mais les politiciens savent très bien ce qu'ils font, ils s'en foutent carrément de ce que je vais dire. Ce message n'arrivera jamais à eux, même si ça arrive, ils vont me ricaner dans la gueule. Mais moi je dis, parce que je suis en plein colère, je dis quand même qu'il faut que ça s'arrête, ces drames, parce que je ne sais pas, moi, j'exprime ce que j'ai sur le cœur et je suis vraiment très, très infecté par cette image, je n'arrive pas à trouver les mots. Quand vous soutenez un dictateur là-bas, dans ces pays, soit en Afrique, soit à l'Orient, vous savez, ils sont tous vos amis, et vous les soutenez avec les armes et tout ça, avec tout ce qu'il faut, bon, forcément, les gens continuent à fuir et venir chez vous. Il faut savoir choisir à un moment donné qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que celui qui sème les guerres, celui qui sème la guerre, récolte les réfugiés? Donc si vous déstabilisez ces gens-là, ces gouvernements, on change pas un régime avec les bombes et on n'installe pas non plus la démocratie avec les armes. C'est un processus, il faut commencer par l'école. C'est des choses que vous connaissez certainement, mais apparemment c'est pas ça votre but. Mais moi je dis toujours, la bonne volonté qui manque, c'est la bonne volonté, parce que tant qu'on n'a pas la bonne volonté, une bonne politique, on ne va pas y arriver. Il y en a assez pour manger pour tout le monde, il y a assez de richesses pour tout le monde, mais il n'y en a pas assez pour chacun.
À un moment donné, il faut choisir la voie de la raison, de l'humanité, parce que ces Africains, ils ne peuvent pas continuer à mourir dans les mers et vous faites semblant que vous ne voyez rien. Et les autres qui se noient comme ça, j'ai vu les gardes qui sont en train, avec le harpon, qui sont cherchés d'aller faire noyer dans la mer, et les autres qui les mitraillent, ils ont dépouillé de leur... ce sont des images dont on est habitué, mais il faut pas s'habituer à ça, parce que il faut continuer à s'indigner, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose, mais moi je vous dis que j'ai beau travailler en Europe pour revenir en ce qui me concerne, pour revenir chez moi et fonder une entreprise, enfin une maison et tout ça. Mais on m'a tout pris, par exemple. Il y a même des Français qui sont spoliés maintenant en ce moment au Maroc. On m'a tout pris, on m'a renvoyé à zéro. Donc il faut savoir pourquoi les gens ils viennent. Mais moi je ne voulais pas venir d'ailleurs en France, je suis allé en Suède. Parce que je pensais que c'était le meilleur pour mes enfants, pour l'éducation et tout ça. Bon, là-bas, ils n'ont pas voulu de nous, malheureusement. On a erré un peu partout en Europe. Je suis fini ici, à Mulhouse, parce que c'est là que je croyais que j'ai de la famille. Mais finalement, on peut compter que sur soi dans ces moments difficiles. Donc, ce n'est pas vraiment un parcours, je peux vous dire, c'est un parcours de combattant. Et je le souhaite à personne. Quand vous avez des enfants comme ça, sur les bras et que vous errez comme ça, que vous ne trouvez pas, que vous êtes en train de frapper dans les portes et tout se ferme. Ce n'est pas évident. Donc les gens, franchement, je fais cette vidéo en solidarité avec eux. Peut-être ça peut, au moins, j'aurais dit ce que j'avais à dire. Eh bien, je vous remercie pour cette écoute. Et merci encore une fois et bonne soirée.